Et salut à tous et bienvenue, je suis LinkLogist pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour eh bien, la découverte d'un nouveau Let's Play, la découverte d'un nouveau jeu. Aujourd'hui, Saints Row, une de mes licences du cœur, voilà, après les excellents Saints Row 1, 2, 3 et 4, et God of bien que un peu moins bon, mais bon c'est pas grave, aujourd'hui reboot de la série. Reboot de la série et on va voir ce que ça va donner avec de nouveaux personnages, une nouvelle ville, de nouveaux héros, bref, on va découvrir tout ça. On va se lancer sans perdre plus de temps que ça, on va évidemment jouer en multi parce que c'est ça qui est fun et que voilà, ça risque d'être plutôt sympathique dans l'idée. Alors, j'avoue que personnellement, dès l'annonce de nouveau Saints Row, j'étais à fond. J'ai toujours beaucoup apprécié cette licence de par son côté complètement what the fuck et qui ne se prend pas au sérieux. Et alors, on pourra regretter une impression de lissage, on va dire. Mais on verra ce que ça va donner. Oh, j'ai tellement hâte. Oh, c'est moi aussi. Ah, ça, bonsoir. Comment ça va? Ah ben ça va super bien toi. Ah ben ça va nickel, j'ai envie de dire. Ah, Saints Row, On est d'accord. Alors non. Pour le coup, pour moi tu es hors ligne. J'ai invité à jouer. Oui. J'accepte. J'accepte tout. Ouh. Je ne réfléchis pas. En attente de l'autorisation de l'autre. Mais... C'est bien parce que tu invites une personne et au moment où elle arrive, tu dois valider que tu l'as bien invitée. C'est... Invite un pote chez toi, quand il est à la porte, autorisez-vous cette personne à entrer. Mou, rentre chez toi, connard. C'est ça, c'est juste arriver devant la porte, fait moi en fait non. C'est, je crois que c'est une réplique de Soldat 76 dans Overwatch. Petit voyou, dégagez de ma pelouse. C'est totalement ça. Oh, bouché. Oh, bouché, ça fait des trucs. Oh, j'ai plus de musique. Oh, ça marche. Ah oui. Bon, est-ce que tout va péter? C'est probable. Pour l'instant, tout va bien. Vous êtes le stagiaire. You sure you're at the right party? Oh, cette corpulence, Michel. J'avoue que Michel, à moi. Hein. Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Arrive dans une entreprise, c'est la teuf. Est-ce qu'on est étonné, je veux dire. Tu viens conclure des affaires sur de dubstep, quoi, au secours. Hein. Oh, le chat. Oh, ça petit chat. Je veux des shops comme ça, moi. Oh, la taille des gobelets. Pardon. Un mec à l'envers ou j'ai... Ouais. Ok. Hello. It's Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history, but I was thinking. Hoping, really. Le mec s'appelle Antonio Espina. D'accord. C'est intéressant.
Ouh, je vois quand ça claque. Bon, du coup, boss. Alors, juste ce que je vais faire, c'est pour avoir un minimum d'identité. Je vais au moins prendre la coiffure que je lui avais faite. Mais c'est tout. Elle n'aura que la coiffure. pour pas perdre 1000 ans dans une création de personnage qui, de toute façon, ne me servira à rien. C'est-à-dire que pendant une heure, Jacqueline va s'appeler Robert. Hein. Roberta, s'il te plaît. Bon, on va passer très rapidement sur la création de perso, hein, puisque bon, on a pu profiter de je sais même pas comment on peut appeler ça, d'une appli Créton Boss, bref, un logiciel de création de son boss avant la sortie du jeu, quoi. Le Boss Factory, oui. Voilà. Alors par contre, je suis désolé, mais ça c'est pas possible, hein, voilà. Ça ok. Par contre, j'avoue que le costard, c'est pas ouf. Hein, je préférais ma tenue de Créton Boss. ouais, clairement. J'ai changé un petit peu pour pas avoir la même tenue. C'est vrai qu'il y a eu un moment de... Attends, mais on a la même là, non? Ah, le même avec les deux Spider-Man qui se pointent là, mais c'est vous. Bah du coup tu me dis quand t'es ok. Je suis prêt à valider. Pareil. Ça go. Antonio Épine a l'air de vivre sa meilleure vie. Antonio, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. J'ai oublié mettre sa voix. Ah, du coup, elle parle pas. We've got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros. Fuck the idols. Fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby. C'est bon, on est dans un Saints Row. C'est bon, je... Or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. C'est vrai que le QG est dans une église. Pourquoi pas, je veux dire. Why? J'ai pas eu peur. Par contre, elle a pris cher. Oui. Ah, on en est déjà là, ok, d'accord. Ce fut rapide. Attends, on était vraiment en train de se faire une bataille de liasses de billets. C'était une bataille de pour l'argent. C'était pour le champ, mais c'était pour l'argent. C'était de la merde. D'accord, donc ok. Il y a vraiment plus de respect de nos jours, on a même pas une pierre tombale, quoi. J'avoue. Mec, habillé en pierre tombale, la pelle qui a servi à creuser ton trou, quoi, donc bon. Hello. C'est la pelle tombale. Journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled, and in doing so, proved that you were martial material. Oh, ouais. Don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit. Pardon. So how do we do that? With a little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? That's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now?
Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Très bien. Très bonne ambiance. Ok. Alors par contre, je vais juste devoir faire un tour dans les options. Oui. J'ai les sous-titres qui sont au ralenti, donc c'est très très chiant. Et moi, ils sont par défaut, mais... Ah. Ah. Ok. Ah, j'ai pris une roquette dans le cul. Hein. Absolument. Je suis seul. J'ai l'impression qu'on est seul. Et donc du coup... Okay. C'est la guerre. Un peu, ouais. Aïe. Ok, ça, ça roulade. Viser, ok. Ah. Allié ou pas allié? C'est un peu le bordel, j'ai du mal à savoir qui est qui. Bon, ça a l'air d'être un pote. Attends. Non, c'est pas toi ça. Hein? C'est... Ah, c'est toi! Ah, c'est toi! En fait, on est ensemble du coup. En fait, du coup, ça va... Ouais, ça me paraissait bizarre. Bah ouais, j'avoue. Très bien. Oui, bon du coup, j'ai peut-être essayé de mettre une balle à Blue, du coup. J'ai rien senti. Ah, lui, il a senti. Elle a bien senti. Joins l'équipe, bravo. Ah, alors, joins en applaudissant. C'est quand t'arrives, ils disent bravo. Ça va, Michel, un chargeur dans la tête pour crever? Ouais, bah écoute, apparemment ça va aller. Hein. Doobie, you still alive? You sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. A rolling shield. Nice. Nah, I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Oh, il faut protéger cela. Ah, mon premier meurtre. Ah, planche nulle. Oh. Un tir rapide sur un explosif à proximité. Hey, oh. Oh. Aïe. Aïe, non, arrête. Mais j'ai éventuellement quelques questions, hein, mais bon. Oui. Mais bon, pourquoi on est dans une ville de Far West à combattre avec des fusils laser? C'est un trou. Ah, très bien. Monter dans la tourelle. Oh. Oh. Ouais, c'est ce que je me disais, je vais me faire foutre. Ah, très bien. Alors, la précision de ce truc, c'est un enfer. Juste comme ça, que ce soit dit, c'est... Oh, ça pète de partout. Aïe. Ouah, ils ont des motos volantes.
C'est bon, c'est Centro. Moto, c'est un hélicoptère ça. Ouais, mais de loin, c'était bizarre. Ouais. Ah, cheval. Je reste en arrière, moi. Et ben cours. Ah. Premier jour de merde. Ok. Wouah. All dead or there's no signal. Guess I should push on and find the new Ollie myself. Mm-hmm. Regarde la santé. Il y a 10 éliminations à un ennemi pour récupérer de la santé en combat. Ok. Oui. Let's go, Punta. Let's take them out, boys. The things we do for rent. Wouah. Amen. Incoming fire. Oh. 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 Mais je attends, ah, ah, ah non, c'est pas ce que je voulais. Ah, chaud. Très bien. La tatane. Oh tatane. Oh tatane. Bon, mais tu vas crever un jour, oui. Ça y est, Blue crame tout seul. Oui, bon, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Oui, hein. Je suis quelqu'un de très peu chaud. Mais... Oh. Ah, alors tu peux pas forcément faire une attaque cac. Aïe. Non, apparemment non. Ah, j'ai pris un coup de couteau dans le cul. C'est seulement quand le jeu il le veut. Ah, oh tatane. Oh tiens. Ça va. Il a imprimé 42 sur le front. Elle a maintenant roue des armes. Ah. Oh. Ah, ouais, c'est la question que j'allais poser, c'est est-ce qu'on peut nager? Alors on peut, mais c'est compliqué après. Oh, il y a du monde là-dedans, non? Ah, pas là-dedans, dans la rue? Oh, le sniper! Et du coup genre là ok, donc ouais, en fait c'est la jauge en bas de l'écran qui te permet de faire une attaque au cac. La jauge rouge? Non, il y a un pourcentage qui se remplit au milieu en bas de l'écran. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, quand on voyait des chevaux, en fait, ouais. D'accord. Oh. Boule. Ok. C'est comme ça quand je suis arrivé. Attends. Oui, mais je sais. On peut en avoir plus? On peut pas en avoir plus. Dommage. Toujours le saut de cabri, hein. Oui, bah oui, toujours. Glad you could join us. Let's move. We gotta keep the Nuwali hold up until Charlie team arrives. Nubi, once we hit the saloon, you flank left while the rest of us hold the center. Flank? But I can. Yes, ma'am. Saloon's right around this bend. Get ready and remember the plan. Ah, le plan, c'est en fait tout péter. En fait, les.
Putain, je suis mitigé, les sous-titres lents, j'arrive plus à suivre la conversation parce que je sais plus qui parle. Bah ouais, c'est le problème que j'ai eu au début en fait. Ah. Parce que ouais, en fait, le sous-titre était déjà en lent. Et je t'abonne, c'est compliqué. Par défaut, je trouvais que ça passait peut-être un peu trop vite. J'avais un peu de mal à suivre aussi. Ça va être compliqué ce jeu. Hein. Ouais. Oh, j'ai mal! Poule! Oh bah boum! Ah, y'a, y'a, ah, se cacher, mais j'ai mal quand même. Ah! Super! Ici! Seulement maintenant que vous ramenez deux véhicules d'assaut? What? Oula, il y a eu une caméra qui a fait un truc chelou. D'accord. Cette ville est trop grande pour nous deux. Mais... Mr. Nawali, tu es Antonio Espinas? Alors, trop de moustaches. I mean, yeah. Hey, where are you fucking going? I said you're coming with me. Mais. Perhaps I don't respect your authority. Then respect this. You set one foot on those stairs. Mais Dieu, mais ça va se calmer, hein. Ah, chopez-le. Give it up, Nawali. There's nowhere to hide. You're surrounded. Make it easy on yourself. Mais reviens. Ah! Waouh! Il a des grenades ninja. Je crois que c'est un magicien. Ah, c'est soit un magicien, soit un ninja. C'est un ninja gicien. We know he's in the saloon. He can't stay in there forever. Je peux avoir le Vitol? Ah. Ah, alors en fait, ouais, du coup. What the fuck? Thanks for the ride. I'll see you around. Il pleut pas à cette période de la saison. We need air support now. Stand down. We don't got time for hero bullshit. Don't worry, I got this. Pardon. Oui, bah... Oh, ça vient de commencer, hein. Gwen, hang on. What the fuck? Oh putain. Une journée normale. On est accroché à deux du coup. Ah oui. Ouais, on est accroché à deux, ouais. Oh. Ouais, tout pète. What? Ah, y'a un mec qui s'est jeté dans le vide tout seul, hein. J'y suis pour rien, c'est pas moi.
De toute façon, c'est scripté. Le jeu veut que je meure. Oh, à tout péter. Ça va aller de gueuler, oui. Alors j'avoue que... Oh, tiens, ouais. Oh, ça... Oh, il y a turbulence. C'est ça, pourriez pas stabiliser votre truc un peu, là, parce que bon... Oh, tiens, ouais, ouais. Ah, Michel, il vole pas droit. Oh, oh mythe de Dieu. Oh putain. Ça me rappelle tellement la scène d'intro du 3. Le 3. Le braquage qui tourne mal. Où la mission se finit, où t'es suspendu à un hélico et tu dois fusiller tout ce qui vient. Oui, oui. You goddamn right. Pourquoi j'ai pause? Mais t'as pause? Ah, c'est revenu. Ah. Ah, ça fait mal. Oh putain. Oh merde. Get your hands in the air. Une journée normale. Tout à fait.